Little Town est un jeu de pose ouvrier et de placement de tuiles. Les joueurs se retrouvent seuls dans une belle vallée totalement vide. Leur but est simple, y amener la civilisation. Dans Little Town, chaque joueur tente de prouver qu'il est le meilleur architecte, en gagnant plus de points que les autres. Suivant leur configuration, les joueurs possèdent 3 à 5 ouvriers et 6 à 7 bâtiments. À son tour, le joueur peut récupérer des ressources ou construire un bâtiment. Quel que soit son choix, il doit utiliser l'un de ses ouvriers. S'il choisit de récupérer des ressources, il place son ouvrier sur une case vide du terrain et récolte automatiquement toutes les ressources présentes sur les 8 cases qui l'entourent. Si des bâtiments sont présents, il peut les activer. Ceux qui lui appartiennent sont gratuits, mais il doit payer une pièce pour utiliser un bâtiment adverse. Les bâtiments permettent de récupérer directement des éléments ou de faire un échange. S'il choisit de construire, il place son ouvrier sur la zone de chantier et choisit un bâtiment. Il paye les ressources demandées, puis place la tuile sur une case vide du terrain. Construire un bâtiment donne immédiatement un certain nombre de points de victoire. Une partie de Little Town dure 4 manches. À la fin de chaque manche, les joueurs récupèrent leurs ouvriers, mais laissent les bâtiments en place. Chaque ouvrier doit être nourri avec un poisson ou un blé, sous peine de perdre des points de victoire. Au début de la partie, les joueurs reçoivent un certain nombre d'objectifs secrets. Les objectifs demandent généralement de construire certains bâtiments ou de rassembler des ressources spécifiques. Ils permettent d'orienter et de guider le jeu. Lorsqu'un joueur valide un objectif, il l'annonce et gagne les points de victoire associés. Les objectifs non réalisés ne sont pas pénalisants. Le plateau de Little Town est recto verso, ce qui permet de varier la disposition des ressources. 12 bâtiments aléatoires sont utilisés pendant la partie, mais il en existe bien plus. Certains sont conseillés pour une première découverte, alors que d'autres sont plus complexes. Pour conclure, Little Town est un jeu simple, qui peut être vu comme une initiation à la pose d'ouvriers. Mais les éléments communs, en nombre limité, le rendent aussi opportuniste et stratégique.